Bonjour à tous, bienvenue dans Littoral. Nous allons profiter du cadre du sous-marin Le Redoutable qui est exposé à la Cité de la Mer à Cherbourg, un bateau peu ordinaire, pour évoquer le destin d'un homme aussi peu ordinaire. Il s'appelle Arnaud et il a eu une vie bien remplie et très variée. Il a été photographe de guerre, photographe dans l'événementiel et la pub, et désormais il est guide de pêche à Belle-Île-en-Mer. Voilà, c'est un destin peu banal, vous l'avouerez. La pêche est un art qui se transmet. Arnaud de Wildenberg en a fait son métier. Il faut que tu vois, tu descends ta ligne droite, parce que, et là, tu es à tout moment, tu peux avoir une touche. Et à ce moment-là, il faudrait que tu gères instantanément. Depuis 10 ans, il accueille à Belle-Île, pêcheurs néophytes ou chevronnés, pour leur faire capturer des rêves d'écume et d'écailles. Regardez, ça c'est, je crois, une merveille. Et regardez, on va le relâcher, hein, parce qu'il n'est pas à la taille. Et regardez, c'est le roi lion, en fait, tu vois. Arnaud a fait sa réputation de guide de pêche grâce au gros bar traqué dans les lames qui balayent l'île. Attaque ! T'as vu l'attaque ? Pendu ! Le poisson roi, le poisson recherché par excellence, et un poisson en voie de disparition. Mais avant de poser ses valises à Belle-Île, ce fils de bonne famille un peu fantasque a vécu mille et une vies. Le canin, le petit chien. Destiné aux grandes études, c'est le goût de l'aventure et des rencontres qui a fait basculer Arnaud vers un nouveau monde. En troisième année de licence, j'avais un copain de l'ENA qui faisait son stage à l'ambassade de France au Pakistan et qui m'a proposé, si tu veux, de m'héberger. Et je suis parti là-bas et au mois de mars, j'ai passé 2 mois et j'ai photographié le premier hélicoptère soviétique abattu en Afghanistan. Cette photo a fait le tour du monde parce qu'elle prouvait l'implication soviétique, si tu veux, dans cette partie du monde. Et j'ai passé mes écrits de maîtrise, j'ai même pas passé mes oraux parce que ensuite l'agence Gamma a bien voulu m'accepter. Et là, c'était la photographie d'actualité, c'est-à-dire aussi bien les conflits que la révolution iranienne, l'affaire Goldman, les grandes grèves en Pologne, voilà. Évidemment, en faisant de la photographie de guerre, tu te mets en danger. Et comme dit la légende, 100% des gagnants ont tenté leur chance au loto. À un moment, quand tu multiplies les prises de risque, statistiquement, tu peux y passer. Il y a cet aspect-là des choses. Il y a le deuxième aspect, c'est que ce que tu peux vivre là, sur le plan émotionnel, ça peut être très lourd. Et ce que j'ai vécu à Beyrouth, c'était très lourd. Voilà. Sans rentrer dans le détail, mais des enfants touchés, des choses comme ça. À 30 ans, Arnaud choisit de quitter le grand reportage. Il devient photographe dans l'événementiel, couvre des expéditions scientifiques ou travaille dans la publicité pour de grandes compagnies américaines. Il voyage et gagne très bien sa vie, mais là encore, après quelques années, un nouveau souffle l'appelle. Quand j'étais photographe et que j'ai arrêté de travailler, j'étais devenu un ouvrier hyper qualifié de la photo, mais il n'y avait plus du tout d'émotionnel et je me suis dégoûté de faire des photos. Ben là, j'ai pris la décision et j'ai eu la chance surtout d'avoir mon épouse qui a accepté de me suivre. Ce n'était pas évident, j'avais 3 enfants. Puis aussi, dans le changement de vie, il y a aussi la vie affective. Parce que quand tu es en voyage 6-7 mois par an, c'est difficile de construire une vie qui tienne. Donc, c'était pas la politique de la chaise vide, mais j'ai eu les parties de mon vide quand je suis rentré quelquefois. Voilà. Donc à un moment, tu as envie de te poser, parce que tu n'as pas envie de vivre tout seul jusqu'à la fin de ta vie. Même si tu vis des belles histoires qui t'emmènent très haut, mais quand en général elles t'emmènent très haut, tu descends aussi très bas. Et donc, à 40 ans, je me suis marié, voilà. Même si je me trompais, j'ai assumé mon choix. Et 20 ans plus tard, je le vis très bien et très heureux, avec 3 enfants très sympas.
Depuis 10 ans, la petite entreprise d'Arnaud a trouvé son cap. Mais comme dans toutes les histoires de pêche, il faut savoir s'adapter en permanence. Avec la raréfaction du bar, le monde de la pêche fait grise mine. Mais voilà qu'une nouvelle opportunité s'annonce en Bretagne. Le thon rouge, ce géant des mers chaudes, fréquenterait maintenant le littoral breton. C'était son premier. Le porte-canne, ou... ouais, c'était son premier, le seul, il n'a jamais pris un poisson. Et là, ça s'est terminé comme ça, avec une casse de canne à la fin. Ah oui ? Bah oui. Les thons rouges peuvent peser jusqu'à 200 kg et livrer des combats de plusieurs heures. La pêche tropicale au large de Belle-Île. Une fièvre telle que ces poissons trophées sont suivis de très près par les autorités. Bonjour. 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 Affaires maritimes, vous allez bien ? Vous pêchez quoi ? Vous ciblez quelque chose de particulier ? Oui, je cherche à pêcher thon. Ça tombe bien, on est là pour ça. D'accord. Vous avez combien de bagues ? Moi j'ai droit à 3 bagues et j'ai bagué un poisson déjà, j'ai envoyé ma déclaration à France Agrimaire. Ouais. Et auprès de la fédération. D'accord. Et auprès de France Agrimaire, j'ai fait le soir même ma déclaration sur le CERFA, etc. Oui, oui, comme il faut faire. Montrer ses papiers n'a rien de difficile lorsque l'on est en règle. En revanche, dénicher les thons relève du casse-tête. Arnaud a prévenu ses clients du jour. Il n'y a aucune garantie de capture. Moi, je fais attention là quand je recherche les thons, je fais attention à tous les oiseaux, je fais attention si je vois de la détection. Et là, tu vois, il y a pas mal d'oiseaux dans des fous de bassin. Ils recherchent le poisson pélagique, ils sont comme moi. Vous avez rien vu de spécial ? C'est une pêche qui est. On est soumis totalement à la présence des poissons, si tu veux. Mais par contre, si jamais le poisson est là, c'est tellement, quelque chose de tellement extraordinaire. Et c'est un combat tellement titanesque que ça vaut le coup, éventuellement, tu vois, d'attendre. Aujourd'hui, l'attente aura été longue, très longue, et pas de thon à l'horizon. Si le navire d'Arnaud s'appelle Patience, il en faudra plus pour déjouer les tours de ces poissons records. Ces aléas de fortune font le sel de la pêche et la saveur d'une vie refusant toute ligne droite. J'aime photographier les phares et puis j'aime cette attitude de cet homme-là, tu vois, qui se lève très tôt et qui vient pêcher là et qui profite du lever du jour et en même temps de sa passion. Et pour un photographe, c'est quelque chose de très graphique. C'est pas compliqué pour un photographe, il faut être bon un millième de seconde. Là, en l'occurrence, une seconde au jour de ce matin, mais simplement, il faut insister. Il faut être là tout le temps, tout le temps, tout le temps. Se lever tôt, se coucher tard, et être toujours prêt. Toujours prêt, toujours prêt. Remettre sans arrêt le boulot. Allez, c'est bon. Ce matin, ici, on s'en va. On est au-dessus de la plage de Baluden et à mes yeux, c'est un des plus beaux endroits de Belle-Île. En tout cas, c'est l'endroit qui a suscité mon arrivée ici, entre autres. C'est la campagne à la mer ou la mer à la campagne. Tu as le double aspect. Tu as l'aspect de l'île qui peut, si t'es pas bien avec toi, qui peut t'angoisser.
et qui peut être terrible pour les gens qui sont un peu, qui flippent un peu. Et puis au contraire, en tout cas pour moi, l'île nous protège, nous isole. Elle met une distance entre nous et le monde speed tel que je peux le revivre quand je viens à Paris maintenant. Depuis que je suis ici, j'ai retrouvé ce plaisir et ce goût de la photo. Et si une lumière extraordinaire se propose ou une situation incroyable, je fais toujours ces photos et c'est un peu mon journal de bord. Bon, j'ai pas eu mille et une vies. Je ne rêverais pas une autre vie, voilà. Bon, il y a encore d'autres projets que je pourrais faire, mais très franchement, je suis un homme heureux. Voilà, regarde-le dans l'eau, là. Regarde, ça, c'est un bonheur simple. Regarde les nageoires, regarde la couleur des nageoires. Tu le vois, là? J'ai l'habitude de dire, lorsque l'on est, on nous donne un ticket pour une séance de cinoche. On ne connaît pas la durée de la séance. Mais autant faire en sorte que le film soit intéressant. Angry, jealous spies. Nous allons à présent découvrir Jean-Louis, un amoureux des bateaux de patrimoine en bois. D'ailleurs, le bois a marqué toute sa vie dans sa maison près de Douarnenez, dans les bateaux donc, et puis dans son rôle d'expert auprès du ministère de la Culture. Là, qui est quand même un élément caractéristique de ce type de bateau. Bah, elle est d'origine. Ouais. En tout cas, elle en a l'air. Une réparation ici, une autre là. Vous rencontrez, Jean-Louis, s'est embarqué dans un monde où les bateaux en bois tiennent le premier rôle. Ce jour-là, vous venez évaluer les travaux à effectuer sur une vaclotte classée monument historique. Car vous appartenez au cercle restreint des experts auprès du ministère de la Culture. Bon, je vais vous poser deux, trois petites questions sur votre rôle dans l'affaire, là. Bah, l'empêcher de couler. Je crois qu'elle est des 37, il me semble, ouais, si je me trompe 1937, pas. Ouais, 1937, c'est ça. Elle devait être à Coqueville. Elle a été renflouée là-bas. Et elle est arrivée sur camion à Cherbourg. Et depuis, elle a recoulé une fois ici, quoi. Mais je l'ai ressorti. Ça, mais je l'ai ressorti. Ça entretient le bois. Bon, il y a un truc qui m'intéresse beaucoup, qui est les anomalies par rapport au type ou par rapport au standard de construction. Je donne une explication. Hein. Mm. Vous savez, comme moi, quand on construit un bateau, qu'on n'a pas le bon bout de bois, etc., on trouve toujours une solution. Ouais. Bon, et la solution, elle n'est pas toujours académique. Et ben, ce genre d'anomalie-là, ça m'intéresse parce que c'est le genre de truc que j'aime bien conserver lors de la restauration, si on peut, quoi. C'est la curiosité qui me pousse à faire ça. Et plus on en voit, plus on arrive à discerner finement. Et en fait, moi, j'ai un mot pour ça, je l'apprivoise. C'est un peu comme quand on est timide avec les gens. Voilà, c'est exactement la même démarche. Et puis on s'approche peu à peu, puis on regarde, on réfléchit. Pour moi, c'est des rencontres. Après la rencontre, je vais y penser pendant une semaine. Puis je vais me dire, tiens, j'aurais dû regarder ça. Est-ce que j'ai bien vu ça ou me suis-je trompé? Et c'est pour ça que je fais beaucoup de photos, je reviens sur les photos. Ouais, il y a une découverte, chaque fois. Ouais. Si vous êtes devenu expert en bateaux du patrimoine, c'est parce que vous en avez fait construire et restaurer tout au long de votre carrière. D'abord à l'école de voile des Glénans, comme chef de base, puis aux Ateliers de l'Enfer, centre de formation de charpentiers de marine que vous avez créé, et enfin au Port-Musée, dont vous avez été le directeur technique. La transmission est au cœur de tous les postes que vous avez occupés. Pour vous, fréquenter des bateaux, c'est avant tout rencontrer des hommes et partager des savoir-faire. Ah,
Yves Tanguy, il a un savoir-faire familial. Donc, il est pénétré de ce savoir-faire. Et en plus, c'est un type qui accepte de mettre en cause, non pas son savoir-faire, ça ne touche pas, mais son comment faire. Si je lui dis, ben, j'aimerais mieux que tu fasses ça comme ça, ah oui, pourquoi? Ben, parce que c'est un bateau du patrimoine. Merci Jean-Louis. Oui. Avant de faire une demi-coque, toujours, je griffonne, je cherche ce que je veux, où je veux aller. Tu gribouilles. Tu gribouilles, ouais. Et c'est une chose que je fais beaucoup, je suis tout le temps. Tu crayonnes, quoi. Ouais. Comme un dessinateur. Hein. Oui, et puis je cherche à faire quelque chose qui me plaît. Il faut que ça me plaise sur le plan esthétique. On a fait un relevé de la carène du bateau. On a fait une demi-coque de la forme originale du bateau. Voilà. La forme originale du bateau. Et la forme future du bateau. Et il y a une autre raison qui vous lie au chantier Tanguy. C'est le grand-père de l'actuel patron qui a construit votre premier bateau, un petit langoustier robuste et rustique qui naviguait dans les eaux tourmentées de la Chaussée de Saint. J'ai acheté ça en 74 à Port-la-Forêt. Je suis tombé en arrêt devant l'arrière, là. Ces courbes, le tableau qui est joliment tourné. Ce bateau m'a permis de me former. En fait, en cherchant à le mettre dans un état meilleur, j'ai été amené à démonter certaines choses. Et là, je me suis rendu compte qu'on lisait dans le bateau, c'était en fait de la fouille archéologique. Puis un bateau comme les êtres vivants, ça évolue, ça change de métier, donc ça se transforme. Donc j'ai cherché à le remettre en conformité avec ce qu'il était probablement lorsqu'il travaillait. Et ça, en fait, ça m'a pris un temps fou. Le fait de trouver de quel chantier il est originaire, le fait de retrouver les descendants du constructeur, etc., ça m'a amené à me poser toutes les questions qu'on peut se poser dans une démarche d'observation un peu ethnologique des bateaux. Voilà. Depuis que vous êtes à la retraite, vous passez une partie de votre temps à réparer vos propres bateaux. Bon, on va faire ça à l'ancienne, hein. Il y a plus dans la bouche. Impossible pour vous de rester sans travailler le bois, ce matériau que vous avez commencé à façonner très tôt. D'abord, je suis né en Afrique du Nord, en Algérie. Ça veut dire qu'on était à la plage, tenez-vous bien, une demi-journée par jour pendant 7 mois par an. Donc le bateau, il est tout de suite dans mon environnement, quoi. Et l'eau et la mer aussi, quoi. Je ne peux pas dire quand j'ai commencé à sculpter des écorces de pin en forme de bateau. Mon père avait vécu à La Rochelle et il restait très impressionné par les derniers, enfin les grands voiliers, les grands bateaux qu'il avait vus là. Il me parlait de ça et en fin de compte, j'ai connu le nom des voiles d'un trois-mâts, les différents types de trois-mâts, tous les types de gréements à deux-mâts, trois-mâts et un-mât. Je sais pas, moi, avant 10 ans, quoi, je connaissais tout ça. Moi, je ne suis pas charpentier de marine. Je n'ai jamais gagné ma vie en construisant des bateaux que je vendais. J'ai gagné ma vie longtemps, enfin tout le temps quasiment, en me servant du bateau pour montrer, faire comprendre des choses. En les faisant construire, mais aussi en les montrant au musée, il fallait expliquer les bateaux, il fallait mettre en évidence leur personnalité, leur usage, leur originalité, etc. Ah ben voilà! Salut les bêtes. C'est Arspinec, mais avec un K. À la fin. J'ai pas voulu lui mettre un C parce que Arspinec c'était le premier. Avec un C, le nom du premier propriétaire. Et celui-là, comme c'est un clone, je lui ai donné un K à la fin de son nom pour le distinguer. Oh mais allô, il est prêt à partir. Vous n'avez pas hésité quand le ministère de la Culture vous a proposé de devenir expert.
C'était l'aboutissement logique d'une carrière consacrée au patrimoine maritime. Ce domaine, vous avez contribué à le faire progresser avec l'envie que les bateaux soient les témoins incontestés de leur propre histoire. Ce qui est toujours fascinant chez ce genre de personnage, c'est la passion. On sent bien tout l'amour qu'il porte aux vieilles coques en bois quand il les touche. On va rentrer dans un univers bien à part maintenant, celui de Gouézénègue. Il est peintre, graveur, sculpteur, tout à la fois, avec des bouts d'épave récupérés sur les plages de La Hague. Et ça fait plus de 50 ans que ça dure. J'ai commencé, l'adolescent, j'avais 16-17 ans. Ça a été la passion et puis ma raison de vivre de toute ma vie, de cette pratique de l'art. Hein. Je suis un artiste vraiment investi totalement. Hein. Ce n'est pas un travail d'amateur, c'est quelque chose qui est très important. Hein. C'était ma raison de vivre, de tenir debout au monde. Je crois que j'ai bâti une œuvre ici par rapport à toutes ces choses qui viennent de la mer. Entre autres, c'était ma nourriture, disons. Puisqu'en fin de compte, tous ces éléments rejetés par la mer ont maturé dans le ventre de la mer. Il y a une espèce de maturation qui s'est faite, qui est un peu un ventre de mer, hein, une espèce de... Bon, c'est le grand liquide amniotique, la mer. Et donc tous les éléments ont été travaillés par la mer, scarifiés, creusés, gravés, blessés. Et donc ils ont toute une histoire. Pour mes œuvres, je fabrique les pigments. Alors, souvent avec des ocres de terre, avec des pierres bleues du pays et des coquilles de moules. Et à partir du broyage de ces coquilles de moules, je fabrique un pigment qui est dans les bleus violets, qui est très très beau. Cet atelier-là, que j'appelle l'atelier tombeau reliquaire, ça fait une quarantaine d'années que je suis dedans. Autrefois, c'était un étable à veau, et donc voilà, il s'est rempli de mille choses, c'est devenu une grotte un peu. Et c'est un atelier un peu divers, entre autres. C'est l'atelier où j'ai le plus de repli. Tout ce qu'a vécu, qui est mort dans mon atelier, je n'ai jamais touché, je l'ai toujours recueilli. Hein. Il y a quelque chose d'un peu de sacré, hein, l'hittite. Hein. Tous les vestiges, toutes les traces de la mort, c'est un petit peu exorciser la chose. Hein, un peu une façon de la maîtriser, puisqu'on ne la maîtrise pas, mais l'important c'est de faire de l'art pour maintenir la mort à distance. Alors ça, ce sont des petits os minuscules de rongeurs, de lutums. J'appelle les lutums, en fin de compte, ce sont les mulots. Donc avec ces petits os, je les fixe dans les matières de ma peinture. Et c'est-à-dire que c'est cette prolifération de milliers de petits os qui sont en rapport avec la prolifération des dessins, des sécrétions. Alors on aime ou on n'aime pas, c'est comme d'habitude une histoire de goût, mais on ne peut pas nier que Gouézénègue a un univers bien à lui. Voilà, Littoral, c'est terminé pour aujourd'hui. Salut à tous !